Metika kolela lela kango. Talanga yo moto na linga kayo. L'artiste Papa Wemba Tika Biso, Papa Wemba Kenda, Papa Wemba Kana prophétie Nayaloba Keno Akufa en plein scène, Papa Wemba Tika Biso na Mboka Yabapaya na Abidjan. C'est-à-dire Keno ils ont participé à Lilo, troisième année depuis que l'artiste nous a laissé. C'est-à-dire que Lilo Ndesiko passe parce que anniversaire à Liwa Papa Wemba sans activité. Anniversaire Papa Wemba, Karanenge, artiste de Fobalelaye, nous les bêtes et événement, et ça c'est parce que Mboka, ils ont vivre dans le confinement, mais nous sommes en état d'urgence pour Makozi, Décritaki. Il y a un peu de Pekisate, fanatique, mélomane, il y a Papa Wemba, Balelaye, dans la méditation, dans le palais, dans le vandi, dans le méditer. Qui est Papa Wemba? Papa Wemba, c'est un grand. Papa Wemba, c'est un homme puissant. Papa Wemba, c'est un homme dans la dimension. Artistiquement, tu peux définir Papa Wemba dans la dimension, dans la vague et belle. Le niveau artistique, à part musicien, Papa Wemba, c'est un grand peintre. À part peintre, Papa Wemba, c'est un cinéaste. C'est-à-dire que non, un artiste bourré de talent. Et Papa Wemba a été écrivain, il a écrit. Papa Wemba, c'est l'ensemble de tout ça en fait. C'est lui, Papa Wemba. Il pouvait motiver toute une génération. D'ailleurs, la sapologie et tout ce qui va avec. Et Papa Wemba, c'est l'image, c'est l'icône de toute une génération, de génération en génération. À Bandan, à Mou, Perodo, Zahina, Togotamité, à Koutalina, Bissou, Namou, Zola, Nakar, Bona, Etisipo. Donc, et Béné Pénard, on les a dit pour Papa Wemba. 4 ans, on a pensé vraiment qu'il fallait qu'il y ait un peu de temps. Il ne faudrait pas qu'on continue à oublier nos origines en fait, dans la musique. Il faudrait qu'on ait toujours cet aspect-là à Bokanisa. Encore une journée, il y a le logo, il y a l'icône, il y a une dans la montre. Pour regarder Bob Marley, chaque année au Bob Marley, à Koufa, la Jamaïque, on fait des fêtes, des festivals. Mais Papa Wemba, l'image naïe, déjà à partir de la deuxième année, on sortit que même Nakin, mouvement Wanin Zalaï Benavina Soussouté, Bissou Zalaï Koutou, l'événement Yaman Makassi, la niveau de Lubumbashi. Troisième année, bon, quatrième année, le lot est tombé vraiment mal. Donc, tout ça, les forts Rwanda, en tout cas les autorités, au bazar en place, qui ont trait à la culture, au bazar de la culture, il y a de ces choses, des dates qu'on ne fait pas, on ne fait jamais passer. Quoi, ton rôle, c'est que ça a monté. Donc Papa Wemba, il faudrait toujours chaque année, d'ailleurs à la salle avec Randembo, est-ce que remix pour penser à lui quoi. Donc il a été motivateur dans tous les sens, Papa Wemba. Donc on ne peut pas l'oublier comme ça, c'est ça le mot-clé. C'est-à-dire que non, surtout une dose, Papa Wemba n'a pas de dimension, c'est vraiment un icône. Papa Wemba n'a pas de dimension, Yabilamba, voilà Koutolobate, le roi de la sape, c'est-à-dire sapologie. Papa Wemba a défendu la SAP et ils ont défini la SAP comme société des ambianceurs et des personnes élégantes. La SAP, ils ont société des personnes battu oyo et bah ambianceurs. Tant aussi ambianceurs, ils ont battu bah quitté, battu à l'opipité, ambiance, c'est-à-dire battu oyo bah donc respecter et l'amba. Parce que Elamba balata ngo te po ovana na ndako. Elamba balata ngo po obima na miso abatu bamona yo. C'est ça l'idéologie des ambianceurs et des personnes élégantes. Papa Wemba n'a pas de dimension même politique. Tout ce que vous voyez, parce que Papa Wemba a réuni des hommes politiques. Papa Wemba était dans la sphère de politicien. Papa Wemba a parlé de la politique. Papa Wemba, c'était tout. Togo Banaro décortiqué Papa Wemba.
toi aussi Samuel et l'autre. Aujourd'hui, il a laissé l'homme, a laissé l'héritage. Aujourd'hui, nous avons des papa Wemba partout en RDC. Comme tout dans le Lubumbashi, beaucoup de papa Wemba. Beaucoup des artistes, quand ils vous interprètent papa Wemba, vous sentez, c'est comme si papa Wemba n'est pas mort. Parce que l'artiste, il vit. Na malizika leo mitala na nani leo naenda yepakani mawazo wangu yepakani kuwaza waza wewe dada kama ili Kama I maisha yako fata wewe dada C'est la figure de style de la sape, quoi. Donc, il a dit, pour attaquer un gars Chindongo, un taureau, il faut être bien sapé, bien rasé, bien parfumé, bien satiné, bien coiffé. Voilà, il a donné un conseil, après c'est la jeunesse, ça me plaît. À base à la propre. Donc, Azaki, donc elle disait, le prenez pour un voyou. Mais après ça, conseil, ce n'est pas parce que Omoni musicien, il est coiffé, modèle, mongoté, n'a pas tout, bah, normaux, qu'il sera passé au conseil au Rokate. Voilà. Bisso bateau, Tolanda, en haut, Tolanda. Bah, Moussoupe, bah, Koka, là, bah, on était passé. Pour s'habiller, c'est très cher. Hein? Vous pouvez demander à Alitalia ici. Hein? Il faut avoir du pognon pour rentrer ici. Sinon, on n'entrait pas. Donc, et là-bas, les lots, comment on est parti par là, bah, chinois, la paix, bah, Turquie, comment on est, les gens doivent s'habiller. On ne peut pas toujours que ça va être ma côte à la maison, ma casse, les armes qui vivent là. On est là-bas. Aujourd'hui, moi, je vais dire à tout le monde de s'habiller comme il veut. Donc, voilà, moi, je suis. Voilà. Mais sur griffe, ils ont au pas, ils ont mon toute griffe derrière. Là, je suis à Yoji à ma moto. Yoji à ma. Et le baye moko vient beaucoup, et le baye moko papa Wemba. Bana, bile le boutique à bile le boutique à bile le boutique à forme, 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 boutique à terre. C'est-à-dire, un vrai Joe, il faut aller au lapin. Un vrai Joe, il faut un catalogue. Un vrai Joe. Yaya, vraiment Yaya, il faut Aïeba, couleur, Yaya, Japon, 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 Japon. Nous avons des artistes Oyo Japon à Japon. Il est identifié Naki Japan, Netizaba ville Oyo, bah, Horizon Schengen. C'est du Japon, parce que idéologie, il y a Papa Wemba. Papa Wemba, c'est le formateur des idoles. Donc, tout le monde sait ce qu'il a quoi faire. Il y a des gens qui sont au salaire de la COP. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Il faut que tu angolo, motoka angolo, nini angolo. C'est Papa Wemba. Il faut s'habiller propre, bien se coiffer, bien parfumé. C'est Papa Wemba. Et savoir mélanger les couleurs, c'est de lui quoi. Donc, il y a des gens qui ne savent pas. Façon à voter les manas micro, façon à voter les manas bébé, c'est lui. Donc on ne sait même pas, dans un détail, quoi. Dans un détail, tout artiste qui fait la rumba, donc il faut qu'on soit capable de parler. Démoquer. Dans le fond, on a eu, ils ont chanté au bêta à Nicolo, ils ont au bêta à Badé. Donc papa, il y a toujours un papa, on est tout le monde,
badio papa sala neti na baye ha moniki badio wana yemba matebo poso oyo kiba rendez-vous oyo kiba ekomba mama yaido jamari mundele yado monte mona goda moto koyo kanga tamawa azalita sabato koseka na tuna kananya kanga ngalibota na futa koni nipona yango wana bakina papa yumba jansé de ingo na konyo kwama basi na motema se ya la vie na sali nini wanga na merite etungu motindo yo papa bi yake na nyani molela ngo nyongo motote papa ke na la pinda ina longo la zemite basi aboye nga mwana ya mama soni na baninga oyo nde tokola na loba ninye tala siko ba dio wana ya papa wemba ye maravite otokango nayebi te kwa o nzambe nde azali l'avenir est sombre mais ba dio wana eoya nde comme Lazare ezalaka na makambo nango je suis né le même jour que ye oya kofaki donc moi je suis né un certain 24 avril l'heure de tous au coup makaka koto kuma mercredi na tombe au website sur le nom papa wemba kofi normalement na kuba sou au fête anniversaire na mate po date c'est ba de jour papa kofa mais on n'a pas de choix mais une nuit na sala na berceau ya mama elle est née qui connaît kaba betonyo songa na la la mama soki ozala kikaka na bomoi talala sengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo oseka jamolingaki olalangana na muka jamolingaki ata mbunja tungisanga soki na bela ozalaki kota na tongosa bana yo okenda na kuma abandonee ekongonse na yo nakopesa na nyango ata na lelinga nya kondolo tekala yango na yemeli yo motemo oyo mamando e voilà pourquoi le grand tabière Don Piero à l'Italie Calzatou il s'associe à l'homme de Papa Wemba parce que c'est un habillère il habille à un style oyo bah, Papa Wemba bah, impose parce que Papa Wemba beaucoup t'es dans le Japon à la télé il est à Japon Papa Wemba vous voyez la casquette il y a bana poto bana mindele quoi Papa Wemba vous voyez le style il y a basket Papa Wemba Bourgeois n'a style y a classique. Les lots de grands habillères, entre autres, Don Piero Alita et Calzatou, aujourd'hui s'associent avec les sapeurs, les artistes, pour plaire cet homme de Papa Wemba. Maman, prenons conscience, oh, Katongé. Évitons tout contact. Faisons cela pour se protéger. Évitons. Respectons les mesures d'hygiène. Nawami Kono, Nasabuni. Nawami Kono, Nasabuni.